Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, on va réagir à l'évolution des joueurs Switch de 2018 jusqu'à 2022 actuellement. Vous allez voir, c'est incroyable, même moi je suis choqué. Avant ils étaient bon, on va dire pas ouf, et aujourd'hui mais ça devient des monstres, ils sont même meilleurs que certains qui sont sur console ou même sur PC. Je tiens aussi à remercier les 10 derniers abonnés. Si toi aussi tu veux passer à l'écran dans une prochaine vidéo, mon frérot, t'as juste à t'abonner. N'oublie pas de mettre mon code créateur, tu vas dans ta boutique d'objets soutenir un créateur, ITXO, ITIXXO, ça ferait vraiment plaisir. N'hésite pas à prendre des petits trucs dans la boutique, ça m'aiderait énormément, et de m'envoyer une petite preuve sur les réseaux. Et on est tout de suite parti pour aller regarder l'évolution, let's go. Ok les gars, c'est bon, on va réagir à la vidéo. Donc c'est une petite vidéo de environ 12 minutes, ça va être cool, on va pouvoir vraiment voir l'évolution. Aussi je tiens à remercier le mec qui a fait cette vidéo. Je mets la chaîne en description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, d'aller mettre un petit like et d'aller vous abonner. C'est vraiment un bon, merci à toi Q8, pas trop comment ça se dit, t'es vraiment le boss. Donc on est tout de suite parti, let's go. Je mets pas trop fort, mais je crois qu'il a mis juste une petite musique de Fortnite. On va lire un peu ce qu'il a mis. Fortnite Nintendo Switch 30 FPS Progression. Donc c'est de 2018 à 2022, on va bien voir l'évolution. On va se mettre en plein écran, let's go. Donc là, waouh. Quoi? Alors ça déjà c'est ce qui va se passer à la fin. Le mec est chaud hein. Oh, wesh la vitesse d'édite. Ok, donc ça c'est vraiment ses premières parties. On va encore un peu baisser le son. Premier top 1 même il dit exactement. Sur Switch avant c'était bizarre hein. Waouh, c'était tout pixelisé et tout. Oh le niveau ouais c'était pas trop ça. On voit que ça loupait quelques petites balles. Et vraiment les graphismes je trouve à l'époque c'était très joli quoi comparé à aujourd'hui. Ça enchaînait quand même les top 1 hein. Dites-vous à l'époque ouais, pour prouver si t'étais bon ou pas, c'était faire plein de top 1 et tout. Mais ouais, on peut voir un peu que les gens en face ils sont perdus hein, en soi hein. Et lui ça va, il se débrouille quand même hein. Pour du chapitre 1 il buildait. Et on peut voir qu'en face vraiment ça construit pas du tout, ça fait rien. Ok, oh là là le pompe chasseur. Regardez moi ce stuff là, Thompson. Oh par contre le temps qui passe pour Edith, c'est ultra long les frérots. Et technique du piège, oh moins 150, ouah c'était trop fort frère. Eh hey, mais il y a vraiment des trucs aujourd'hui, c'est pas possible de les avoir sur Fortnite, hein. On se rendait pas compte, mais à l'époque c'était, ouah gros. Ouais, ouais, what? Oh ça c'était bug sur Switch, hein. Oh les map edits qu'on faisait en terrain de jeu, oi 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 oi. Hey, il est en train de me faire découvrir tout là. Là on est déjà à la saison 5, je crois que tout à l'heure on était à la saison 4, ça me rappelle un peu cette époque, hein, avec ses skins, les petits fight titles tête comme ça. Ouais, le pont tactique blanc il mettait des sacrées balles, hein. Mais ouais, là je suis vraiment choqué des graphismes, hein. On dirait en fait un peu les graphismes téléphone, mais joli. Mais parce que c'est pixelisé, tu vois. Mais ouais, le mec là de la vidéo, il savait édit un peu, il savait faire plein de choses. Oh le cube, oi 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 oi, comment ça date. Oh les BF1 en terrain de jeu, oi oi oi. Ah, on va pouvoir voir son niveau en BF. Alors là, les gars, j'espère que les Switch, vous allez bien vous représenter, parce que là, je veux voir ce que ça donne en chapitre 1. Et ouais, c'est pas fameux, hein. Donc là, on a vraiment bien augmenté en termes de saison. On est déjà à la saison X, donc ça, c'est la saison 10. Juste après, c'était le chapitre 2. Et là, on peut voir déjà que le mec, pour un Switch, il se débrouille. Il édite beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. Et je crois qu'il a changé ses touches, parce que ouais, il n'y a plus du tout de latence d'édite. Parce qu'à l'époque, ouais, nous, on n'éditait pas comme aujourd'hui. On éditait encore avec rond, hein. Les anciens, ils vont s'en souvenir, hein. Mais ouais, c'est la bonne époque. Donc là il a changé ses touches même le mec hein. Je sais pas si c'est le même durant toute la vidéo. Là on peut voir qu'en termes de BF il a vraiment pris du niveau hein, comparé à avant. Avant c'était désastreux hein. Il faisait n'importe quoi clairement. Même les descentes, c'est les bons souvenirs ça. Par contre je sais pas comment il enregistre, mais je crois qu'il enregistre son écran avec un téléphone. Ça c'est, on connaît les Switch hein. Il est bon hein. Ça enchaîne vraiment bien les edits hein. Là il y a moins de latence même. Ah si quand même un petit peu. Ça aussi c'est un truc beaucoup présent sur Switch, c'est le ping, la latence tu vois, pour poser les builds ou des trucs comme ça. Force à vous les frérots hein. 30 FPS, la console je peux te dire quand tu lances Fortnite, elle pète son crâne, elle comprend rien. Parce que hey, Fortnite c'est quand même un jeu qui demande beaucoup de ressources à la console je pense. Bah il était bon hein en saison X hein. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez joué à cette saison les gars. C'était pour moi une très bonne saison du chapitre 1, même si il y avait les petits robots là qui tiraient des roquettes. On avait des bonnes armes et tout. Ok, donc là on est encore en 2019. C'est vraiment le tout début du chapitre 2. Je sais pas s'il y en a, ils ont connu, mais le chapitre 2 avait commencé à peu près en deux. Oh, wow, attends, je suis choqué. Il nous fait des retakes de manettes là, de console et tout, frère. Et il était trop bon le frérot. Non, il est vraiment chaud par contre. Hein. Des trickshots et tout. Ah ouais, mais mec, ça trickshot sur Switch, on est où là? Les 90 étaient ultra bien gérés. Mais attends, mais comment il fait pour être aussi bon? Excusez-moi hein, si je parle un peu du nez, les gars, je suis malade. Non, là, vraiment, tu me montres ça, tu me dis que c'est un console, je le crois, hein, même un PC. Hein. Pour du chapitre 2 saison 1, très très chaud. Hein. Ok, là, on passe tout de suite au chapitre 2 saison 2. Alors là, ça avance, petit à petit, ça avance. Il est de plus en plus fort en BF, hein. Tu vois, là, il fait des retakes. Mais c'est quoi ça? Mais regarde, regarde ce qu'il fait. Ah, regarde, regarde, Hambok, regarde. Il était meilleur que moi au chapitre 2, je vous le dis les gars. Bon, j'abuse. Il y en a en commentaire, vont me dire oui, c'est vrai. Quoi? Mais wesh! Je suis choqué de la vitesse. Mais les gars, mais c'est pas possible, il est pas Switch le frérot. Non, là vraiment, il est bon. Il est très bon. Ah, ça se propulse et tout dans les airs. Ah, là, il n'y a plus du tout de latence, frère. Il édite tout à la seconde près. Il n'y a plus rien du tout. Il va trop vite en fait. C'est trop rapide. Je vais trop vite, c'est incroyable.
Ok, ah, on est déjà en saison 4, chapitre 2. Eh, hey, je voyais pas le temps passer. Mais, mec, de saison en saison, le mec devient de plus en plus rapide, excusez-nous. Par contre, faut commencer à investir dans un truc pour enregistrer l'écran, parce que là, filmer sa télé... Ouais, y'a mieux, quoi. Oh là 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 là. Même moi, je ne comprends rien à ce qui se passe tellement ça va vite. Le mec est beaucoup trop rapide. Je suis sûr, on fait un AV1, il me roule dessus, hein. Ah oh, oui, d'accord. Il nous fait des cônes invisibles sur Switch. Non, oh, ça, c'est les maps où tu pouvais éditer plein de trucs à la seconde. Oh, ah, il loupe rien, hein. Ok, là, on est en 2021, par contre, saison 5, chapitre 2, ok, ok. Ouais, 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 là, encore en BF, ça a pris énormément de niveaux. Là, ça fait même du montage sur Switch, et c'est bon, il a acheté un truc pour filmer son écran, on va dire, un peu mieux. Waouh, non, mais mec, de saison en saison, je ne rigole pas, le mec prend du niveau, mais du futur. Vraiment, le mec, de saison en saison, je déconne pas, il prend un niveau... C'est aberrant, frérot. Aberrant, frérot. T'es mal à vitesse d'édit, tellement il va vite que sa Switch, elle lag. Eux, écumeuse Renega, ah ouais, ça déconne pas. Non, mec, c'est beaucoup trop rapide. Ah, il disait que c'était une boucle. Waouh, 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 waouh. Non, mec, ça se trouve, il y a macro sur Switch. Imaginez, il y a des macros Switch. C'est possible, hein. Ça se trouve, il a trouvé un truc. Waouh, non. Ok, saison 6, chapitre 2. Ah oui, là, on reconnaît les skins. Ça, c'est bien du chapitre 2. Hein. Par contre, on a beaucoup de BF, malheureusement. Ça aurait été cool de voir un peu de d'arène, des trucs dans le genre. Mais je pense que c'est un Creative Warrior, hein. Et au moins on voit bien l'évolution, hein. Comparé au chapitre 1, les gars, on voit que là, il y a eu du niveau qui a été pris de la part du joueur. Et là, c'est flagrant, quoi. Vraiment, tu regardes un gameplay chapitre 1 à côté, tu te demandes si c'est le même mec. Wouah, il y a des montages et tout. Et ça a l'air pas mal, hein. Ça passe bien, en plus. Moi, je... Wouah, d'accord. Mais là, on note aussi le montage, parce que moi, là, je suis surpris, en fait. Comment tu peux faire des montages comme ça sur Switch? D'accord, d'accord. Vraiment, là, le monteur s'est chauffé. Il y a des rediffusions et tout. Par contre, ouais, non. Là, on commence à plus trop tout comprendre. Waouh. Non, c'est incroyable. C'est très, très beau. Hein. Oh, la Switch, mec. 10 FPS, j'ai vu un moment. Et des fois, il y a des grosses pertes d'FPS. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Waouh. Non, mec, il est trop bon. Il est beaucoup trop bon. La vitesse d'édit, elle est aberrante. Je suis choqué. Vraiment, je pense qu'il édite même plus vite que moi. Et là, vraiment, je troll pas. C'est réel. Après, bon, le mec, il doit avoir des heures et des heures de jeu, tu vois. Là, c'est actuellement. Ok, on va voir son niveau actuel. Ah ouais, mon gars, Théma, non mais, vraiment, genre là, c'est incroyable comment il est bon. Là, c'est plus juste des petites édites de cônes rapidement. Là, il fait tout, escalier, mur, tout. Il fait des quintuples édites, tout ce que tu veux. Il y a plusieurs édites dans la même seconde, hein. C'est vraiment le cas, là. Son skin, il ne comprend pas ce qui se passe actuellement. Même la Switch, je pense aussi, parce que là, poser autant de constructions à la seconde. En plus, il a du ping, je crois. Ouais, il a environ 15 de ping. Il y a de la latence. Vraiment surpris. Surpris du niveau du mec. Je m'attendais pas à voir ça aujourd'hui. Je pensais qu'il allait juste ouais, avoir une bonne aim, savoir un peu build. Mais non, là, c'est comme si le mec, en fait, il était PC, vraiment. Ok, ok. Bah, merci à lui d'avoir fait cette petite vidéo. Les gars, moi, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur sa chaîne, parce que je crois que c'est un joueur Switch très connu. Donc s'il y a des Switch qui regardent la vidéo et qui veulent connaître peut-être un peu des mecs chauds, bah lui vraiment là, d'après ce que j'ai vu, le mec est chaud. En tout cas voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos sur les Switch, vous me le dites en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre mon code créateur. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.